Shalom les amis, que la paix de Jésus-Christ soit sur vous qui me suivez à travers cette petite vidéo. Je suis dans la ville de Nantes et je profite de ce très beau soleil pour pouvoir nous entretenir sur l'amour de Dieu. Oui, Dieu nous aime et l'amour de Dieu pour nous est un amour de folie, un amour intense. D'ailleurs, lorsqu'il parle de son amour, il utilise des expressions qui sont très 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 fortes. Dans l'Ancien Testament, il y a une expression très forte qu'il utilise au sujet de son amour. Il dit que je vous aime d'un amour éternel. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même utilise une expression forte. Lorsqu'il s'adresse à Nicodème et parlant de son amour, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Il parle de temps. Lorsque nous parlons de temps, ici nous parlons d'une intensité de l'amour de Dieu. Donc finalement, à travers ces quelques passages que je viens de citer, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir et comprendre que tout ce qui concerne l'amour de Dieu est une affaire sérieuse et que Dieu prend très au sérieux son amour pour nous. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 1, à partir du verset 5, la Bible déclare qu'il nous a prédestinés dans son amour à devenir ses enfants par adoption. Et donc, nous pouvons comprendre, mes amis, que tout ce que Dieu fait, il le fait dans son amour, il le fait motivé par son amour. Or, cet amour n'est pas une émotion, cet amour n'est pas un sentiment, cet amour est une personne en Dieu lui-même. Et cette personne, c'est Jésus le Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, le témoignage a été rendu du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le « on » révèle l'endroit, la place, le lieu où se trouve l'affection du Père. L'affection du Père, l'amour de Dieu est localisable. J'aime le dire, christolocalisable en Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc si nous voulons connaître, toucher du doigt la réalité de l'amour de Dieu, c'est à travers la personne de Jésus, c'est à travers l'œuvre de Jésus le Christ que nous pouvons mieux cerner, que nous pouvons mieux comprendre, que nous pouvons mieux réaliser combien Dieu nous aime. Ainsi, mes amis, l'amour de Dieu ne serait plus une question de ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui, ne serait plus une question de comment les portes s'ouvrent, comment elles se ferment pour pouvoir être rassuré si Dieu nous aime ou pas. L'évidence est là, Dieu nous aime parce que l'amour fait partie de la nature même de Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même, alléluia, mais c'est Dieu lui-même exprimé à travers un corps, exprimé à travers une personne, Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi dans le cadre de cet amour, il a posé un acte de folie. C'est pourquoi je le dis, mes amis, Dieu seul est celui qui nous a aimé d'un amour de folie. Et dans cette folie, il a accepté lui le plus élevé, lui El Elyon, le Dieu très haut, de descendre si bas. Mes amis, si Dieu qui est élevé a été ramené si bas, qui a réussi à ramener un Dieu si haut, si élevé en bas? Un Dieu si haut, si élevé a été ramené en bas à cause de personne. Si Dieu quitte son ciel, son trône, son éternité pour entrer dans le temps, c'est à cause de vous et moi. Nous avons réussi à cause de ce que nous représentons à ses yeux, à ramener le ciel sur la terre, à ramener le divin parmi les humains, à ramener le parfait parmi les imparfaits, à ramener le Créateur parmi ses créatures. Mes amis, c'est pour dire que nous avons du prix aux yeux de Dieu et nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Nous l'avons ramené sur la terre, c'est à cause de nous, c'est à cause de notre détresse, c'est à cause de notre situation héritée par Adam, le premier Adam, notre père, qu'il est descendu des cieux pour nous restaurer, pour nous ramener à lui. Alléluia, oui, Dieu nous aime. Ne fût-ce qu'à cause de cela, on ne peut pas douter de l'amour de Dieu. On ne peut pas marchander l'amour de Dieu. C'est lui qui est le premier à nous aimer. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un selon 1 Jean
4 au verset 19. Il nous est révélé que personne ne peut aimer Dieu si ce n'est que Dieu qui nous a d'abord aimés et que nous avons compris l'amour de Dieu et que nous répondons à l'amour de Dieu par l'amour. Finalement, aimer Dieu n'est qu'une réponse. Une réponse à l'amour de Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu non pas pour ce qu'il fait aujourd'hui dans ma vie. J'aime Dieu pour ce qu'il est. J'aime Dieu pour ce qu'il est. J'aime Dieu pour sa personne. Pourquoi? Parce qu'il est venu me témoigner de l'amour. Il est venu me manifester de l'attention. Il est venu pour mon bien. Nous aimons le Seigneur pour ce qui nous a aimé le premier. Et notre amour pour lui n'est que la réponse à la compréhension de son amour pour nous. Alléluia. Alors mes amis, ne doutons surtout pas un seul instant. Dieu nous a tant aimés et il a accepté de quitter le ciel pour venir sur la terre et de pouvoir nous ramener à lui en acceptant de mourir de cette façon horrible, atroce. La mort de la croix, l'humiliation de Golgotha. Donc, chers amis, Dieu nous aime, ne le doutons pas un seul instant. Dieu vous aime. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Ne le doutez surtout pas. S'il vous arrive des moments de doute sur l'amour de Dieu, pensez à Jésus le Christ. Pensez à la personne de Jésus. À lui tout seul, il est tout le message de l'amour de Dieu. Sa vie démontre l'amour de Dieu. Sa mort démontre l'amour de Dieu. Sa résurrection également démontre l'amour de Dieu et le prix que nous avons aux yeux de Dieu. Alors vous êtes bénis de Dieu. Vous qui avez été choisis, préconnus avant même votre manifestation en chair dans ce monde, la Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, à être fils de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis de Dieu, bénis, 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 bénis et bénis. Surtout, ne l'oubliez pas, Dieu vous aime. Et vous avez du prix à ses yeux. Shalom, shalom à tous. À très bientôt et bon week-end à tous dans la paix de Jésus le Christ. Alléluia.